Ce que nous avons vu, comme tout le monde, c'est qu'au premier tour, il y a eu 20% d'abstention de plus. Les gens qui ont eu peur de venir voter. Et mon sentiment, après avoir fait le marché, c'est que ceux qui avaient peur pour le premier tour auront peur pour le deuxième tour. Donc, on se dirige à nouveau, comme je l'avais dit, vers une élection tronquée, où un certain nombre d'électeurs se censureront. Alors certes, il faut qu'ils nous appellent pour faire du vote par correspondance, on est prêt à les aider institutionnellement ou politiquement, mais cela ne règle pas le fond du problème, c'est qu'en démocratie, tout le monde doit pouvoir voter, et dans ce cas-là, eh bien, tout le monde ne votera pas, et c'est bien dommage.